Annie Sanson, Luc Ferrandez, on va parler de ça, entre autres. On va revenir sur le Publisac. Est-ce que c'est la fin parce que Transcontinental ne voudra pas en faire moins? J'ai hâte de vous entendre. Mais d'abord, parlons des chiens dans le métro. Une visite chez le vétérinaire, chez des amis ou simplement pour des balades. Vos compagnons à quatre pattes ont aussi besoin de se déplacer. Mais sans voiture, les options sont limitées. Quand on voulait faire le transport en commun avec un chien, mais nous, on se disait tout le temps, on ne peut pas, il faut tout le temps trouver un autre moyen. Les animaux de compagnie peuvent voyager à bord des autobus et du métro de Montréal, mais seulement s'ils sont dans une cage ou un sac de transport. L'opposition officielle réclame des changements. C'est demandé, je pense qu'il y a un engouement. Une pétition lancée par la SPCA a déjà récolté près de 17 000 signatures. À cela s'ajoute une motion d'Ensemble Montréal qui sera déposée au prochain conseil municipal. Leur demande, autoriser les chiens en laisse dans l'ensemble du réseau de transport de la STM d'ici 6 mois. L'idée en arrière de ces 6 mois, c'est justement pour trouver des façons de faire. Si on pouvait le faire en transport en commun, c'est sûr qu'on le ferait. Ouais. J'ai de la chance, le vétérinaire, il est à pied, mais c'est vrai que je sais pas, juste pour aller se balader dans d'autres endroits. Ça serait fantastique. Ben oui, c'est les animaux, c'est une part entière, là. C'est comme un enfant pour nous. Et l'idée n'est pas nouvelle, loin de là. Au pays, Toronto et Calgary permettent les animaux de compagnie dans les transports en commun. Ailleurs, Londres, Amsterdam, Copenhague et Madrid, pour ne nommer que ces villes, ont aussi légiféré en ce sens. Une ville qui se respecte doit avoir des mesures. C'est une mesure extrêmement simple de mettre en place. L'Association des médecins vétérinaires du Québec estime que plus de la moitié des foyers ont au moins un chien ou un chat. La pandémie a poussé bien des familles à adopter un animal. On observe une hausse d'environ 200 000 animaux en 2 ans. Ici, Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal. Ça s'était calmé, Annie et Luc, sur le front des chiens. Parce qu'il y a quelques années, vous vous souvenez, là, c'était épouvantable, les pitbulls. Débat, on a... Chien dans le métro, il me semble que oui, avec des règlements. Annie, est-ce qu'il y a un problème avec ça? Non, moi, je pense que bien encadré, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a des gens qui ont peur des animaux et des gens qui sont allergiques. Donc, si on veut le permettre, moi, je permettrais, en tout cas, je trouverais intéressant qu'on puisse le faire en dehors des heures de pointe, premièrement parce que les autobus vont être bondés et le métro. On réserve peut-être le derrière de l'autobus et la même chose, le dernier wagon du métro pour le faire. Donc, les gens qui vont prendre le dernier wagon vont savoir qu'il y a des chiens. Donc, au moins en connaissance de cause. Parce que, oui, il y a de plus en plus d'animaux compte tenu de la COVID. Les gens se sont achetés des animaux de compagnie, évidemment, pour se tenir compagnie à l'intérieur. Et maintenant, on va prendre de l'air dehors. Mais effectivement, il y a des gens qui ont besoin de prendre le transport en commun pour se déplacer. Et moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée, mais bien encadré. Okay. Pour être sûr que les chiens ne mordent pas. Et même aussi, j'irais jusqu'à une muselière. Parce que des chiens dans un autobus peuvent être énervés. Les gens autour, les enfants vont vouloir aller jouer. Il faut faire attention. Là, pour que ça se passe bien, mettons-nous vraiment les bretelles puis tout ce qui va avec pour être sûr que tout le monde est en sécurité. Moi, je mets mon chien dans un escalier roulant, là. Oui, je vais pouvoir le tenir parce que je vais le contrôler, mais disons qu'il n'aimera pas ça beaucoup. Là. Ouais. Luc? Ben oui, alors Annie a tout à fait raison, puis je trouve que c'est intéressant la proposition que tu amènes de dire, par exemple, le dernier wagon. Le règlement animalier qui a été implanté il y a environ 2 ans, un peu plus, met la table pour ce genre de nouvelles possibilités. Premièrement, un chien dangereux, un chien qui a déjà mordu, mais dont on analyse qu'il ne doit pas faire l'objet d'une euthanasie, il doit porter une muselière. Deuxièmement, la laisse, c'est seulement 1,85 m. Troisièmement, si c'est un chien de plus de 20 kg, il doit avoir un... comment on appelle ça? C'est plus qu'une laisse. Là. C'est Un harnais. Et donc, ces mesures-là... Alors, déjà, ces mesures-là. Ensuite, les mesures qu'on prend dans les parcs à chiens. Dans les parcs à chiens, on ne peut pas amener une chienne en chaleur parce que ça génère beaucoup d'agressivité chez les chiens mâles. Alors, les chiens doivent être stérilisés, mâles et femelles, de toute manière. Alors, s'assurer de la stérilisation et bien appliquer le règlement sur les chiens dangereux. Et après ça, let's go. Puis aussi, il faut remercier et féliciter les propriétaires de chiens. Dossier facile, Luc, celui-là. Très bien. Il y a la propreté aussi dont il faut parler. Oui, mais vous aviez dit l'autre fois que vous trouviez
que les propriétaires de chiens, maintenant à Montréal, étaient disciplinés et ramassaient les petits cadeaux. Là. De plus en plus. Totalement. Moi, je ne m'attends pas à avoir un chien uriner ou avoir des déjections canines dans le métro. Là. Je pense que les propriétaires de chiens ont compris ça et ça ne se produira pas. Mm-hmm. OK. Publisac. La mairesse, hier, a annoncé que ce sera maintenant désormais les gens qui en veulent qui en recevront. Le problème, c'est que, entre autres, l'entreprise qui fabrique, qui produit, qui distribue les publisacs, Transcontinental, dit si on baisse de 800 000 par semaine à 300 000, ce sera plus rentable. On écoute un représentant de Transcontinental. On est fondamentalement en désaccord avec le opt-in qui signifierait la fin du Publisac. C'est un modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. Alors donc, c'est l'équivalent de bannir le Publisac. Bon. Pour Transcontinental, c'est l'équivalent de bannir le Publisac. Est-ce que c'est une négociation? Comment voyez ça? Je commence avec vous, Luc. Bien, écoute, moi, je pense que le Publisac, c'est la deuxième méthode la plus polluante de distribuer de l'information après les bombardiers qui envoient des tracts à partir des airs en temps de guerre. Là. Je veux dire, d'envoyer des annonces de pizza à tout le monde en espérant qu'il y en a 1 sur 20 ou 1 sur 40 qui soit susceptible d'avoir besoin de la pizza et de cette affiche-là, c'est extrêmement polluant. On n'est plus là. Je veux dire, ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible comme méthode de distribution. Et de nous dire, bien, on va perdre des emplois. On est en plein emploi. On veut récupérer des emplois, faire travailler ces gens-là dans des métiers où ils vont avoir une valeur ajoutée pour la société, pas une valeur de destruction de la forêt, d'une part, et de pollution, de création de déchets, d'autre part. Donc, vous dites, tant mieux si Transcontinental élimine même ce procédé complètement, vous. Totalement. Et c'est le temps que ça arrive, là. Je veux dire, on dit tout le temps, on va sauver la planète. Oui, mais pas ceci, oui, mais pas cela, oui, mais pas cela. Regarde, là, c'est un projet simple. C'est un projet simple. C'est-à-dire, 94 % des citoyens ont Internet. Ils s'en servent peut-être pas pour accumuler de l'information sur les rabais, mais ils ont Internet. On est rendu là. C'est un déchet. C'est 500 tonnes de déchets par semaine. On se demande comment ça se fait que c'est encore là, après plusieurs motions, plusieurs études en commission. Okay. Le temps est venu. Annie, ceux qui en ont besoin, ceux qui tiennent au Publisac, ceux qui veulent, qui n'ont pas, soit qui ont Internet, mais qui n'ont pas l'habilité d'y aller, soit qui n'ont pas Internet du tout, est-ce qu'ils ne risquent pas de tomber dans la craque? Bien, c'est là-dessus que je voulais parler, Patrice. Premièrement, bien, c'est pas des déchets, c'est des papiers qui sont recyclables. Faut dire ça, mais il faut dire que la Ville a de la misère avec son service de recyclage. Fait que c'est sûr que c'est comme des poubelles, là, parce qu'on partira pas là-dessus. Mais effectivement, il y a une clientèle qui va être pénalisée là-dedans. Moi, j'ai une autre solution. Puis là, je ne sais pas, là, parce que là, ce qui est suggéré, c'est qu'on enlève le sac de plastique puis qu'on mette ça dans du papier. Mais là, on se rend compte que lorsqu'on distribue les Publisacs dans des sacs de papier sur des escaliers, puis il pleut, bien là, ça devient un vrai paquet de déchets, puis ça sera pas beau. Mais on pourrait, à tout le moins, mettre des distributeurs, des présentoirs là, qu'on voit dans certains bâtiments, un peu partout dans les lieux publics, dans les métros, dans les stations des guichets automatiques, des endroits où les gens y vont naturellement. Et là, s'ils veulent en prendre un, ils pourront choisir celui qu'ils veulent. Donc, il n'y aura pas de gaspillage. La personne va le faire volontairement. Parce qu'imaginez là, le petit livreur là, qui commence, qui rentre dans les rues de Montréal, puis qui va regarder, est-ce que celui-là, au troisième étage qui monte, c'est la rue Saint-Denis, il arrive en haut tout en sueur, puis finalement, il y a un logo qui dit « j'en veux pas ». Bien là, c'est pas mieux. Puis, ou s'il y en a un qui dit qu'il en veut un. Et là, imaginez les gens qui font la livraison, comment ils vont faire, combien de temps ça va prendre. Ça n'aura pas de bon sens, ça ne sera pas viable. Et si financièrement, ce n'est pas viable pour la compagnie, on verra ce qui se passe. Mais n'oubliez pas que Mirabel l'a fait. Et Mirabel est en cours supérieur actuellement. On attend là, Transcontinental. Oui, ils sont en cours. On devrait avoir des résultats dans les prochaines semaines. Et là, ils vont statuer parce que Montréal fait exactement la même chose. Bon. Donc, on verra rendu là, peut-être qu'on s'en reparlera. Okay. Mais l'idée des présentoirs, moi, je pense que c'est important. Ben oui, c'est intéressant, présentoir. Puis Luc, vous dites, ça fait partie du passé. C'est comme les bottins. Quand on était jeune, on recevait les bottins jaunes, blancs. On ne reçoit plus ça.
Marie-Victorin, un petit mot quand même. Oui. Luc, domination de la CAQ. On a beaucoup parlé, puis les partis d'opposition ont essayé de justifier leur mauvais score. Le PQ arrive deuxième, c'est pas si loin derrière, mais quand même, c'est un château fort péquiste. Vos réflexions sur ce comté tout près de Montréal de Longueuil, Luc? Bon, d'abord, ça s'annonce très mal pour la prochaine élection, à la fois pour le Parti québécois et pour le Parti libéral, mais on s'y attendait un peu. On s'y attendait un peu. La CAQ est en état de grâce, est aidée par l'économie, est soutenue par la population. Les années de COVID ont permis à M. Legault d'apparaître comme un bon père de famille, bon gestionnaire, à, entre guillemets, évidemment, il y a des défauts, mais très difficile de le battre en ce moment. Maintenant, que va-t-il arriver à l'ensemble des partis? Québec solidaire a mal fait aussi, à 7 points de pourcentage de réduction. Mmh. On parle du PQ qui a perdu, alors que le PQ est resté à 30 %. Mais c'est dans un château fort, alors on s'attendait à ce qu'il gagne. Alors, il n'y a pas un parti qui va pouvoir, et ça inclut les conservateurs qui sont en montée, mais qui sont quand même plafonnés. Il n'y a pas un parti qui va pouvoir menacer la CAQ aux prochaines élections. Les 4 prochaines années seront des années du gouvernement de CAQ, et largement. Et vous le dites, les libéraux qui sont arrivés cinquièmes quand même avec 6,9 % des voix, ils avaient eu 14-15 la dernière fois. Là, c'est une dégringolade pour les libéraux. Ils ne sont pas allés voter tout simplement. Annie? Là-dessus, je vais faire un peu de pouce sur ce que Luc a dit. Historiquement, là, lorsqu'il y a des partiels dans les comtés, donc il y en a eu 3 là, depuis l'arrivée de M. Legault, les partiels habituellement donnent tout le temps la chance aux gens de l'opposition de gagner. C'est rare que les partis au pouvoir gagnent les partiels. C'est rare. Mais de 80 % et plus, là, c'est tout le temps les partis d'opposition. Dans ce cas-ci, la CAQ a gagné les 3 dernières partiels. C'est quand même un signe dans lequel les gens sont quand même très satisfaits du travail qui se passe. On l'a vu là avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, Aaron, tous les scandales, les ministres, tout ce qui n'allait pas, tout le monde a lancé de la boue un peu partout. Puis finalement, ils ont réussi quand même à passer haut la main. Et la plus grosse des défaites, effectivement, c'est le Parti libéral. J'ai des amis au Parti libéral, comme j'en ai dans tous les partis, mais qui se pensaient probablement ministres à la prochaine élection. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui, hier soir, ont pris une douche froide. Là. Ouais. Leurs idéaux d'aller plus loin, ils vont encore rester dans l'opposition. À moins qu'il y ait quelque chose qui arrive qu'on ne voit pas, Luc, là, c'est sûr. Mais pour l'instant, le temps est éclairci. Il y a un chemin royal pour M. Legault, disons. Oui. Grand point positif pour la nouvelle députée qui vient d'accord. du milieu médical, donc le milieu qui va parler à monsieur Dubé, évidemment, sur la refondation du système préhospitalier. Je l'écoutais précédemment tantôt, où elle parlait justement des horaires, le temps supplémentaire. Elle est très concrète. Et tout ça, là. Oui. Moi, je suis très concret. Je dois vous dire merci parce qu'il n'y a plus de temps. Merci beaucoup à vous deux. À la prochaine. Merci. Apprécié. Au revoir. Au revoir.